enquête ça et moi entre avoir sur première question hein. Ça enquête ça y pour qui ça il fait c'est publicité ou travail la donne. Oui, alors publicité ça nous bon nous sommes une équipe jeune, nous lancé officiellement en 2020, ça nous intentionnons c'est faire un think tank qui local qui en Haïti qui a fait des travaux de réflexion de recherche sous des thématiques d'intérêt national. OK. Et nous fait des recherches qui visaient influencer le travail sur politique publique dans le pays. Nous participer et faire conférences. Nous gagnons tout un cabinet conseil qui fait tout évaluation de projets, de travail, dont ces deux organismes sur terre. Donc nous, là, depuis 2020, nous fait plusieurs travaux déjà. Et nous avons travaillé, de souligner son travail qui a été fait sur l'écosystème de l'information. Mm-hmm. Et dans le travail, ça, il est sorti que la majorité de nous, c'est radio, il aurait maintenant dit tout. Oui. Parce que. C'est vrai. Par rapport avec la réalité pays, tout le monde n'a pas internet, tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Radio plus facile pour nous entendre. Tout en 1910, en 2004, que tu as un travail qui était fait et qui était présenté, et je crois que il y a 94% de monde qui écoute la radio dans le pays. Ben, justement. C'est énorme. Donc ça veut dire non. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. C'est vrai que l'autre nouveau média qui vient commence à grappiller dans le pourcentage de monde qui entend la radio parce que le monde entend. Et nous lisons pile nouvelles sur les réseaux sociaux, nous regardons une pile des informations pour circuler sur WhatsApp. Et donc, il fait que moins, comment c'est que moins de monde qui tient des radios, mais la radio toujours été en radio l'air comme canal d'information préféré. Que toute l'autre. Tout oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, nous travaillons en général avec l'Institut Panos. Nous travaillons tout avec Internews. Où tu connais Internews? Oui, moi-même, oui. Je travaille pour Internews dans l'information qu'on connaît après 2010, comme rédacteur en chef dans l'information qu'on connaît. Et c'est rapport collaboration ça qui menait que les novines lancées publicité avec Emmanuel Adouillon, Steven Saint-Plus, Joanne Dodeni, équipe l'autre consultant qui sont soit en Haïti, aux États-Unis ou bien au Canada ou en France. Et donc, nous continuons rapport avec Internews qui appuyait activité à faire. Donc, soit sur demande, soit que c'est nous-mêmes qui proposons un secteur. Ok, ok. Et enquête ça. Donc, enquête ça nous-mêmes, nous faisons parce que nous connaissons une situation vraiment compliqué depuis assassinat, il est déjà compliqué depuis avant assassinat président Jovenel Moïse et puis après le vin grave et dans fin année passée nous commencer travail avec Internews pour nous garder qui ça moun yo comprendre de façon démocratie en Haïti, de système politique en Haïti parce que bah, la vie est tellement grave que pas une pièce moun qui élu tap travail qui était dans le pays et jusqu'à présent et donc essayer comprendre compréhension de ça et puis garder tout qui s'est entravé participation mondiale dans élection si par exemple t'as joué une élection dans année ça ou bien année qui a venu. Ensuite nous garder tout comment nous capables joindre des informations qui basées sur ça mondiale dit qui des informations vraies réelles pour influencer en ces décisions qui t'as dû prendre en faveur citoyen parce qu'il y en a beaucoup qui nous dit non identifier tête nous c'est que nous voulons travailler pour influencer des politiques publiques inclusives c'est-à-dire que nous voulons que vous prenez en compte opinion citoyen yo en va venir proposer en ces bagages c'est pas juste chita dans ministère c'est pas juste chita dans bureau avec équipe étranger et puis dit voilà en fonction de la situation c'est ça nous t'a c'est ça nous proposer nous ça nous voulons faire mais en vent des marchands c'est allemand des mounions vent qui ça vous voulez qui ça vous t'a aimé par rapport avec réalité au contexte yo ensuite pour nos décisions à prendre yo initiative à proposer yo puis baser sur ça mon yo besoin donc ça fait aider en politique publique inclusive et c'est sur ça n'a pogné et c'est ça que quelque part encourager nous à le faire travailler enquête ça tout pour nous capable de joindre des données sur ça mon yo gagner comme besoin prioritaire et sur ça vous comprendre tout dans situation et ça enquête là dit sur besoin mon yo alors ben et comme nous toutes nous avons commencé à parler de ça en off y en a besoin et priorité mon yo nous parler à peu près 2850 monde, 2853 monde pour être plus précis. Donc, comme échantillon. Comme échantillon, nous gagnons. Donc, le travail a été fait à la fois en présentiel, dans les zones de gagnants qui étaient envoyés souterrains dans tout le pays. Évidemment, nous gagnons de côté dans la Tibonite, dans l'Ouest, nous ne pouvons pas aller à cause de restrictions de mouvement et de sécurité. Mais nous, quand même, nous gagnons monde souterrain dans Port-au-Prince, nous gagnons monde souterrain dans Gonaïve. Nous te gagné donc enquêteurs allés souterrains, yo parlé à peu près 60% dans mon yo. Ensuite, nous faisons. On l'autre travaille tout en ligne qui restreint à Haïti donc pour que mon ta vive en Haïti qui capable participer
dans enquête là, même enquête nous passé sous terrain, c'est le même tout, nous t'ai gagné un lien que nous mettait disponible que nous t'ai capable rempli son questionnaire que nous t'ai en ligne. Et donc nous gagné 2850 monde et dans quantité monde ça nous gagné 89% là qui dit priorité numéro 1, au besoin priorité c'est sécurité. Qui pas étonnant pour personne parce que nous connaît problème sécurité à li, c'est vrai que li grave en pile n'importe dans l'ouest à la Tibonite, mais li gagne impact sur tout pays. Respect, oui. Deuxième bagaille et qui vient dans la liste priorité là, parce que le docteur a vraiment apprécié ça, c'est question service de santé et accès à service de santé. C'est-à-dire qu'il y a une équipe service de santé par exemple qui centre hospitalier qui ferme malheureusement à cause de insécurité là, mais tout ça qui arrive travailler, il y a une équipe c'est privé mais moi pas forcément qu'a gagne accès avec yo. Yo gagne ouvert à fonctionner parce que pour gagne accès à un établissement privé faut qu'on gagne l'argent. Ti bay ou nan mon. Faut ti bay ou nan mon. Donc deuxième, ça c'est troisième. Alors me dit ça c'est deux, ça c'est deuxième là. Oui. Alors ça nous gagne encore dans l'histoire première, c'est alors santé a vient en troisième position, mais possibilité d'emploi et sécurité de l'emploi, c'est lui qui vient en deuxième position. OK. Elle dit c'est vrai que faut que nous résoudre le problème de sécurité là, mais mon yo besoin de travail. Il a besoin de travail et il a besoin de sécuriser travail là. C'est pas juste comme s'il fait travaux à forte intensité de main d'œuvre et puis mettez 500 monde nettoyer la rien et puis c'est fini, l'autre mois encore. Non, ça veut dire que soit intégrer monde dans la voirie en réalité parce que toujours gain fatra, faut qu'on fasse une gestion efficace des fatra, faut qu'on permettre monde ça son travail gain. Ça veut dire li gon salaire régulier, li gain assurance santé, li gain assurance maladie ou gain toute chose sociale avec pour lui-même ça son travail. Parce que en fonction de ça va pour freelance la permettre il capable prendre soin de tête pâle mais prendre soin de famille. Mais soit tu as décrit à l'heure c'est ça les rouillou travail oui oui cash forward exactement oui. Donc c'est pas type de et pas type d'emploi ça que mon demander ça son bail pour mon jeune petit monnaie ou le mettre dans poche right mais mon a besoin de travail parce que il connaît au moins sous moyen ou bien long terme la gonti on qui choisit pour l'occuper famille. Exactement, parce que grand équipe besoin de gagner, c'est lui-même en tant que citoyen qui remplit besoin ça parce que on connaît l'état pauvre ou bien l'état pas efficace dans travail li, vin fait que et grand équipe besoin de gagner c'est dans poche li dépenser que ce soit pour aller pour l'école, que ce soit pour de l'eau, pour électricité, équipe besoin mon yo c'est à la champagne. Alors ma baye 5 priorités, donc on parlait de sécurité à 89%, on parlait de emploi et sécurité de l'emploi à 72%, oui. Nous gagnons service de santé et accessibilité à 70%, ensuite, gagne accès à la nourriture pour moi et ma famille qui n'a 60%, ensuite, mon demande de tout, éducation et formation de qualité qui vraiment est en dessous de 60 ans, qui est 59%, accès à l'eau potable et à assainissement à 56%. Donc c'est ensemble de besoins, nous t'es capable de dire des besoins de base, right? Ça veut dire mon yomando, yo dit bro même dans sa vivre là, besoin de base yo pas respecté. D'ailleurs dit droit humain mon yo parce que suivant la déclaration universelle des droits de l'homme, les besoins de base doivent être garantis par l'État. Et gen ki besoin de base et que mon yo pas gagné. Et là, ça veut nous comprendre c'est que nous pas parler dans un contexte de demande mon n'importe au prince. Moun nan la Tibonite ak nan l'ouest seulement non n'a parlé de tout pour moun ki nan nord-est n'a parlé de tout pour moun ki nan nord-ouest n'a parlé de tout pour moun ki nan grand-est n'a parlé de côté problème sécurité hein, pas aussi grave que j'en lié dans l'ouest ak la Tibonite. Vous avez dit qui ça veut dire que en tant qu'état si c'est vrai que la sécurité pose problème dans ces deux départements mais aussi dans les autres départements il y a encore un bon nombre de besoins qui sont à remplir. Et donc l'État doit prioriser à la fois ce problème de sécurité, mais aussi les premiers besoins de base des gens. Et sous pas sous retour, Dieu se dit c'est sécurité seulement qu'on est comme travail ou bon et l'autre monio qui pas qu'à jeune manger puis manger à qui doit aggraver situation humanitaire monio si vous décidez ou pas qu'à faire rien pour l'autre situation yo. Donc c'est vrai que nous comprenons son situation qui est difficile, nous non situation qui est très complexe, mais c'est un bagage pour essayer faire. Pendant WAP travaille sur sécurité a mais tout ou prend l'autre facteur parce que sécurité elle pas que monde qui gagne zam là il pas que monde qui gagne cap tirer sur monde là gagne équipe l'autre facteur tout qui entre dans métier sécurité a sous pied parce que pas oublier ça te mené bagaille qui grave que nous gagne aujourd'hui là sous pas attaquer yo non racine non ou juste éliminer les gang yo mais et vivier
Ça que dit ça que mené nèg yo là, c'est machine qui produit. Sous pas toucher le. Comment on va résoudre problème sécurité sur le long terme. C'est la cause profonde de l'insécurité. La cause profonde de l'insécurité. Voilà. C'est très sérieux. Par exemple, soit dit là, si me comprendre ni, on est Kalagonav, li pas dans situation monde qui trouve matissant. Je sais pas faire rien. Et ça. Monsieur bon père mais qui sont père et haïtien ta donc oui on père on père li pa gen manger pour le manger mais li pa gonn est capturé dans oreille exactement nèg parce que ka Jérémy li pa gen même situation ça souffre malnutrition parce qu'il pa jwenn manger de qualité bon, oui. Ou bien li pa jwenn soins de santé qualité la ville non plus pas améliorer parce que li nombre soleil li fait chaleur parce que nous dans Caraïbes là nous dans tropique li fait chaleur pa gen anti ventilateur pa gen électricité pa gen de l'eau courante ça veut dire li pa tant de balle la vrai bandi pa arriver dans zone rien mais li pa pour autant sécurité alimentaire pour la Cali dans Katiel. Donc qu'est-ce que tu fais de cet individu? Ou d'accord dit c'est l'essentiel pour ça qui a rapport avec besoin yo. Et alors naturellement l'autre ami qui est avec nous là pour et commencer ting ting ou mais me fait gros hein bon fait me fait gros travail là oui toi l'autre besoin c'est pas un problème c'est transport et infrastructure publique donc qui a quand même à 51% dans liste demande bonus parce que question ça que j'ai te posé nous te demandé mon de choisir son liste dans liste nous bail là trois premiers besoins et mon de choisir en priorité qui ça vous pensez qui l'état t'a supposé attaquer. Et c'est qui faut ouais ou après une série de besoins qui gagnent en plus pourcentage passé en l'autre. Donc nous parlons de transport et infrastructure publique, nous parlons de logement abordable. Nous connaissons très bien depuis l'arrivée des ministres dans ce pays comment ça a chamboulé le marché immobilier ici en Haïti. Nous avons à peu près 10 000, 15 000 personnes qui débarquent sous nous à équipe dollar américain. Et nous-mêmes, nous avons payé quand nous avons un goût ou bien un dollar haïtien. Donc, si nous avons payé peut-être 5 000, 6 000 dollars ou bien 2 000 dollars par an, nous avons tourné 8 000, 9 000 dollars par an parce que nous avons l'autre monde qui peut l'autre l'argent qui a payé le plus parce que. Donc, il fait que grand bon caille pour moi. Il fait mon caille. Il n'y a pas qu'à jouer une caille là. Non seulement il n'y a pas qu'à une caille qui existait, mais il manque caille tout qui répond à besoin. Par exemple, regardez qui j'ai porté au prince ceinture avec Bidonville. Et sous besoin vivre en vie normale pour pas mettre propre tête ou en insécurité, li pas normal pour moun y a vivre dans jalousie comme ça. Li pas normal pour moun y a vivre cité soleil comme ça. Li pas normal pour moun y a vivre dans ces deux quartiers matissants comme ça. Donc c'est des logements certes moun yo là, yo barre la pluie etc. mais c'est pas des logements qui fait pour moun rete et pour améliorer qualité la ville. Nous gagnons tout dernier ça m'a cité c'est protection contre les catastrophes naturelles. Bon, évidemment, nous en période, j'ai l'impression si nous fait enquête là probablement besoin novembre décembre après en catastrophe, il était peut-être monté, mais nous en période en janvier quand il était fait là, tu gon relative nous pas dans saison cyclonique, nous pas dans saison la pluie, donc ça a venu quand même dans l'islan à 41%. Et puis enfin dans deux derniers, nous gagnons accès au crédit qui est dans 35% et puis représentation politique et gouvernance qui est à 29%. Et ça, c'est extrêmement important parce que pendant nous avons une situation qui est grave politiquement, nous avons seulement 29% de gens qui disent c'est ça qui intéresse, comment nous avons modifié la gouvernance, qui nous avons représenté politiquement. Et là, regardez, comparer chiffres ça avec chiffres ça, nous avons pensé de l'élection, ça, nous avons qui décision pour voter ou pas, ou après, les similaires. Elle dit autant que nous n'avons pas intéressé à voter, c'est autant que vous pas intéressé contre qui est-ce qui va le représenter politiquement ou bien qui est-ce qui va gouverner le pays. Parce que pour eux-mêmes, ça qui intéresse eux, c'est sécurité d'abord, emploi avec sécurisation de l'emploi et puis service de santé et accessibilité. Ça ne veut pas dire que gouvernance et représentation politique n'est pas important parce que tout dépend de qui vont analyser la situation. Sous nos postes de responsabilité, où qu'on est, tout problème pays a rien. Premier sac basé en tout, c'est le problème de gouvernance. Mm-hmm. Le pays n'est pas gouverné. Mm-hmm. Et malheureusement, mon frère va le dédile. Et nous connaissons tout ça, qui était fait avec ça. Malheureusement, mon frère y allait. C'est éloquent. Mais, ou besoin de réformer le système de gouvernance là, pour mon yo capoter intérêt à la gouvernance là. Donc, ça, ils sont indicateurs de comment mon yo désintéressé yo à le système politique là par rapport avec ça, yo vivent dans le pays là pendant. C'est 10, 20, 30 dernières années. Donc, vous devez répondre à l'autre bout là. Et l'imba va le poser là. Comment mon yo wè système politique là? Ok. Alors, pour nous te garder question ça, nous allons demander mon yo, nous poser plusieurs questions. Nous poser questions sur comment yo wè travail, pas comment yo wè, non, disons, est-ce qu'il y a une différence entre
Cour supérieure de cassation et Cour supérieure des comptes. La Cour de cassation et Cour supérieure du pouvoir judiciaire, par exemple. Okay. Nous demandons mon UE sur qu'a fait différence. Le conseil supérieur, du pouvoir judiciaire. Nous demandons sur la différence, par exemple, travail député avec un travail en sénateur, travail en magistrat avec un travail en député. Est-ce que y a quoi dans la démocratie ou pas? Et pour qui ça ou pas quoi dans la démocratie, etc. Donc, là, nous arrivons dans le résultat donné ça. Qui ça nous joigne? Nous n'avons pas une question système politique en général. Nous joignons que 49,84% dans le monde, ils disent qu'ils ne comprennent pas du tout comment l'État a fonctionné. Donc, vous avez près de la moitié des gens qui dit yo pas comprendre le fonctionnement de l'État et qui expliquait. Combien pour ça? 49,8. Près de 50%. La moitié. Près de 50%. Yo pas comprendre l'État, genre l'État fonctionnait. Et qui logique, parce que quand on va en province, dans certains milieux, dans aller dans le milieu rural, tout pour nous poser question, yo, les gens vivent sans la présence de l'État. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de centre de santé. C'est juste si vous besoin de faire un acte de naissance, mais vous besoin de faire des pièces, vous descendez la ville. Vous descendez côté gon représentation de l'État. Mais pour vous-même qui n'en sait de zone, même des 10 villes qui paguent les policiers, par exemple. Je dis, vous vivez sans, vous n'avez pas senti présence de l'État dans la ville. Donc c'est normal que vous ne comprenez pas comprendre ça, l'État, qui j'en l'État a fonctionné. Ah bon, comprenez qui ça le dit, ma boy, parce que l'on a dit ça. Je comprends ce que fait là, non, attends. Livre de bagage, comparativement à l'on m'a dit. Je ne comprends pas Wall. C'est Wall là. Okay. Exactement. C'est Wall. Okay. Et donc, je vais parler de Cour de cassation et Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir judiciaire. Oui. Donc, il y a 32% d'amour seulement qui dit qu'il y a fait différence. Et là, il y a des chiffres, ça veut dire que c'est à la fois c'est monde qui a une maîtrise, non, qui a un doctorat, et monde qui a un niveau d'éducation élevé. Et il y a fait différence. Là. Parce qu'il est passé dans un milieu que il explique sa institution, ça oui. Ça un chiffre qui peut être encourageant, 66% dans monyo qui dit yo ka fait différence entre trois pouvoirs système là, c'est-à-dire pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et puis pouvoir législatif, exécutif. Pouvoir exécutif. Sous question démocratie, nous gagnons environ 70% dans monyo qui dit yo quoi dans démocratie, comme concept. Maintenant, mon sa yo, yo dit, yo quoi dans démocratie, 48 là dans yo, près de 50% encore, qui dit yo quoi dans démocratie, mais pas dans sa yo, ouais, qu'a fait en Haïti. Hein. Pas dans, ça nous est la démocratie en Haïti. Hein. Parce que de toute façon, on ne l'a pas encore. on n'a pas encore une démocratie en Haïti. Donc, et enfin, nous gagnons tout, 48,76% dans mon yo, qui dit, yo gon ti connaissance de démocratie, hein, mais et c'est pas, on va y trop fin comprendre. Vous comprenez? Et l'autre bail nous garder qui est extrêmement important tout pour une santé démocratique, pour une performance démocratique, tout c'est participation citoyenne. Parce que ça qui pour faire ou évaluer performance en démocratie, c'est taux de participation dans les élections, c'est à quel niveau mon yo engagé politiquement, et est-ce que yo membre parti politique ou pas, ou bien tout est-ce que yo engagé civiquement dans d'autres activités qui liées à la politique sans qu'il n'y ait pas des acteurs politiques. Donc, il y a trois indicateurs qui pour d'où santé et en démocratie. Oh, les nous gardons des partis, participation citoyenne, non? Nous, on que sur 54% de nous, ils disent eux-mêmes, ils ne sont pas intéressés ni à aller en parti politique, à comme si travail gratis pour un parti politique, ni à aller pour aller faire porte à porte ou bien faire bénévolat pour un candidat. Il y a combien? 54. Il y a en pile. Nous avons tout et 52% dans mon tout qui dit même ça pas intéressé pour aller dans des manifestations ou bien font sit-in ou bien fait marche pacifique qui montre tout en désintérêt dans chose publique. Et ouais, mais combien on va dire 52. Et puis dans question pour nous connaître qui ça t'a motivé mon yo pour engager une activité civique et politique, deux principales réponses mon yo bay c'est amélioration sécurité 66,46%. Ça t'a encouragé. Ça t'a encouragé, plus engagé. Et puis, on plus grande transparence et information digne de confiance de la part du gouvernement qui a n'importe 50-75%. Qu'est-ce qu'on dit, parole là-dit? Transparence. Transparence. Et souligner, c'est quand on a dit, ouais, ça m'a fait là. Oui, oui. Mon bail rouge, là même, mais puis m'a souligné, ça dit là. Ou dit. La transparence et des informations dignes de confiance de la part du gouvernement. Donc, qui est lié avec. Façon gouvernement à communiquer avec vous en tant que citoyen pour bailler confiance, right? Donc nous gagnons
Ça veut dire c'est réponse à mon yo bay pour ça que t'as motivé yo engagé yo dans activité civique et politique. Enfin, nous garder appartenance à un parti politique. Nous gagnons dans tout corps échantillon 7% monde seulement qui identifié comme membre en parti politique. 7%. Nous gagnons 47% dans mon yo qui dit yo pas y a aucune affiliation, ni aucune idéologie politique, yo juste là, yo juste à vivre dans pays. Nous avons 44% de monde qui dit, même si on parle de politique, mais au moins on connaît le monde qui est dans la politique. Ça veut dire, comme nous connaissons, nous tous là, nous parlons de politique, nous parlons acteurs politiques, nous parlons candidats, nous parlons de mais nous connaissons le monde qui est dans la politique. Ça veut dire, si vous voulez, nous connaissons le monde qui tel ministre, vous voulez tel ministre, nous sommes arrivés, je veux dire. Mais ça ne veut pas dire nous dans la politique pour autant. Mais nous sommes en politique en bas, nous sommes dans la réunion, nous sommes dans le salon, mais nous sommes pas souterrains, nous sommes pas visibles. Voilà. Et puis, nous avons seulement 23% de monde qui dit eux-mêmes qu'ils adhèrent à une idéologie politique dans ça et qui ont pour avec appartenance à un parti politique. Donc, en gros, c'est ça pour démocratie, système politique là, et puis participation citoyenne. Il y a une autre question à poser parce que, comme on est. Oui, oui, oui. Nous avons une question de 31 questions, qui est une question simple, question à choix multiple, etc. Donc, les gens jouent. Et documents, il y a capable de regarder tout l'autre type de résultat qui gagne. Mais sous partie aux questions posées, donc c'était le principal donné ça à nous. Events, mon cher. Donc vous faites un bon travail, vous faites un bon titre de l'eau. Parce que, mes messieurs là autour de vous, si auditeur, vous avez des là, vous posez vos questions là, vous tapez un flot à questions. Et m'espérer moi tous les amis là t'as pris note t'as écouté sur Abdia sur travail là gain point important mais nous pouvons peut-être arriver sur ces questions élection chiffre sur élection oui et sous table au fil du temps là nous cap garder ensemble avec vous pour sur nous là et c'est invité nous gain professeur Antoine lui qui ensemble avec nous là nous gain docteur Élisée qui avec nous et au présenter travail ça combien temps nous fait pour nous faire nous commençons travail depuis en novembre nous finissons prendre données novembre 2023 nous finissons prendre données au début février 2024 okay. Nous analysons entre février et avril 2024 mais pendant ce temps nous faisons l'autre travail et tout parce que là nous dans contexte dès que gouvernement Ariel n'a pas tombé mais après nous faisons l'autre travail avec une équipe journaliste et puis équipe l'autre monde nous fait focus group c'est ça nous les tout d'horizon de l'écosystème d'information hein, pour un peu garder dans parmi besoin mon audio est-ce que yo répété ça que répété dans l'enquête là est-ce que yo le répété tout dans notre travail focus group et travail avec journalistes donc ça sont l'autre travail que n'a peut-être parlé de l'IA oui et puis barrière libre monsieur on allait là nous commencer alors comme vous êtes monsieur intéressé en pile avec question élection t'as préféré parler de élection yo nous d'accord by donné yo OK donc dans question élection nous garder participation électorale nous garder dans monde qui répond question qui est-ce qui gagne carte d'identité ensuite nous garder ça vous pensez de système électoral pour participation électorale là nous gagne seulement 29% dans monde qui répond on a rappelé monde c'est 2853 monde qui participer dans enquête là. Nous avons 29% de monde qui dit yo capable de voter dans la prochaine élection. Parmi yo 13% seulement qui dit yo pral voter. Elle dit sous tout le monde honnête, c'est 13% qui dit yo pral voter. Yo sûr que pral voter. Mais il y a 16% qui dit yo pral voter. Donc l'oreille, ça veut dire yo gon comme c'est dit, on penche pour y aller voter mais yo beaucoup. Ensuite, nous avons 21% de monde qui dit yo voulez voter mais ça dépend de situation sécurité. Et le gars de tout qui besoin priorité mounio c'est sécurité qui besoin priorité à 89% donc nous gain en premier nous gain 29% dans mounio seulement qui dit yo ta capable voter dont 16% susceptible de voter et 13% certain de vouloir voter nous garder comment système électoral là bon qui pas dans participation électorale là qui pas étonnant monsieur là il songe élection 2000 etc., combien monde qui était sorti dans la rue à voter nous avons un taux de participation qui est un taux plus élevé près de 78% monde sorti à voter dans l'élection qui est sous président Jovenel moins de 20% monde sorti à voter donc en 2000 à 2016 moun yo gitan vivre qui bagay dans pays a yo gagné mauvaise performance conseil électoral qui passé yo gagné mauvaise performance de gouvernance de gouvernement qui passé qui vient faire que yo pas fait confiance à acteur donc du coup yo pas intérêt pour yo soutien violence pendant l'élection et donc
chiffre ça yo pour moi-même yo consistant par rapport avec réalité que mon yo a vivio parce que li juste découvre mais qui ça quelle est la situation et bien que ça mon yo pensé. Mais dans le regard des systèmes électoraux, ça veut dire ça yo pensé de façon élection faite et institution qui a fait élection, seulement 2% moun, 2% dans mon yo qui dit au fait façon processus électoral la confiance. 2%. Maintenant, regardez dans dernier élection 2011, yo, nous songe tout scandale qui était gagné les certains présidents de KEP aller dans conférence dans l'université Kiskeya et puis dit que gagne quelques différences dans résultats qui sont sortis. Parce que nous songe était un secrétaire d'État qui sortit à l'étranger, secrétaire d'État américain qui entre en Haïti qui vient faire discussion pour proposer l'autre candidat. Et ce candidat ça qui vini et président PIA qui c'est Michel Martelly. Et donc ou gagne un conseil qui ouvertement scandale ça éclaté et sous lit, li normal que si m'attend de parler du conseil électoral pour visionner pays a menti comme si m'prend recul parce que pour me faire un conseil confiance fuck travail li fait son travail impeccable fuck pas gagne dénonciation fuck pas gagne accusation fuck pas tellement gagne contestation sous travail lien et donc là gagne 2% monde seulement qui fait système de confiance li lié lié à expérience qu'on fait déjà avec conseil électoral provisoire dans le pays. Et nous, tu as supposé qu'on conseil électoral permanent depuis 1987, et jusqu'à maintenant, nous parlons conseil électoral permanent. Nous avons conseil électoral provisoire. Donc, vu tout passé, tout conseil électoral provisoire nous passé déjà, il est normal que pour nous, nous pas fait système électoral là confiance. Et donc, nous gagnons 88% de monde qui dit qu'ils pensent que façon élection au fait traditionnellement en Haïti, pas bon. Est mauvaise. 61% d'amour dit elle n'est pas bonne du tout. Et puis 93% d'amour n'y a pas fait confiance du tout à système électoral. C'est pas yon mes affaires. Les ou bay donné ça yo, loi évalue parce qu'on a parlé de élection. Nous avons une période de transition que nous accepter les périodes de transition, right? Les n'a pas les de algade qui ça mon yo penser, c'est pour nous permettre que transition fait bien. C'est pour nous permettre que si nous besoin rentrer dans construction démocratique sur le long terme, qui mandé un pour gagner participation citoyenne, deux gagner engagement civique et citoyen, trois gagner engagement implication dans parti politique, c'est pour qu'on yon aperçu de quelle est la réalité, qui ça moun yo pensé et maintenant sous besoin transformer réalité ça pour qu'a réfléchir sur qui décision, qui tactique, qui initiative pour prendre pour permettre que moun yo reprenne confiance dans machine. On pourrait prendre confiance dans la machine là ou besoin CEP qui digne de confiance. Et donc faut processus ça, les transparent, faut communication autour de processus ça, les transparente, faut communication autour des acteurs autour capable convaincre citoyen que gon l'autre équipe qui monte, gon l'autre travail li promettre et mais qui à part A plus B ça le décide fait pour que travail là paraît en l'autre façon. Et merci. Merci Vince, nous croyons que nous t'a écouté et monsieur moi nous prenons note donc si nous t'a capable faire commencer échanger docteur Élisée professeur Honora et professeur Antoine Lim comment nous et travail là et qui ça vient comme information qui intéresse nous ça mais peut-être insister peut-être en première interrogation et pour event avec toute équipe là d'a bien intéressé qu'on ait source de financement qui travaille ça. Est-ce que c'est un travail qui a été commandité ou bien est-ce que c'est groupe là qui fait pas chercher tout simplement. Oui, nous dit que et partenaire nous dans début c'est Internews parce que les belles logos ce travail là. Internews c'est une organisation internationale qui travaille pour supporter les médias, pour travailler pour supporter organisations société civile et eux même et nous travaillons avec eux sous l'autre étude déjà pendant plusieurs années et moi même tout me travaille dans Internews en Haïti en période de données et après 2010 là. Donc je travaille tout comme journaliste pour information de qu'on aime, rédacteur en chef information de qu'on aime, qu'on y a dans le domaine communication, m'ba dans le domaine journaliste encore et nous continuer travail collaboration pour chercher information et par exemple dernier travail nous fait avec Internews c'est garder et poids rumeurs avec des informations sur question choléra, sur question Covid-19 dans sur réseaux sociaux par exemple. Ça c'est un travail que nous fait qui est disponible sur site web publicitaire. Oui, et ceci pour me dire que son travail est très apprécié, qui est très de qualité et tout. En tout cas, pour moi-même, parce que travail ça, tout simplement, vini mettre des chiffres sous deux bagailles.
un paquet de monde en dans la population, eux-mêmes, le connaît déjà. Deuxième maladie, hein, c'est que nous parlons de nous relever ensemble besoins prioritaires. Mais presque tout ça dit là, yo presque résumé dans la question de sécurité. Que ce soit les besoins en santé que nous avons exprimés, ok, il fait partie de ça que nous avons la sécurité. Souvent, des gens ont un chiffre qui est assez élevé. Que habitué en pile phrase dans la radio, parce que moi, c'est population en insécurité alimentaire. On y a exprimé dans l'audience, donc il y a besoin de manger pour y avec famille, dans près de, en tout cas, plus de la moitié de la population. N'a pas parlé des questions accès à ça que nous avons les services de santé, bon, qui tout naturellement doit intéresser mon premier chef. Ok, et accès à ça, il y a un bon bout de temps. Depuis que il y a un problème. Pour moi-même, enquête ça. Alors, bon, une question que je me pose qui est très intéressée. Je me demande, comme monde qui est dans le domaine, non, est-ce qu'on n'a pas d'informations sur des enquêtes pareilles qui peut-être remontent à l'année 91-92, dans le moment que nous avons pris un plan de développement pays, nous mettons l'autre côté, nous prenons l'autre route. Et c'est peut-être ça qui conduit nous là, je vous n'avez pas dire. Non, je suis pas sûr que et, yon, ça nous garde dans l'établi contexte, nous fait travail là, nous garde le contexte politique là, dans le moment, c'est-à-dire comment la situation y est et au niveau sécurité, au niveau mouvement de la, de personnes, etc. Nous gardons le contexte économique dans tout et situation pays pendant 5-10 dernières années. Nous gardons le contexte social là et puis nous allons tous sous taux de participation électorale par le passé. Donc nous gardons les chiffres élections 2016, chiffres élections 2011 et puis nous même remontons tout à élection 2000. Donc mais année 90, nous pas arrivé juste là. Nous avons vraiment arrêté dans une période récente de situation politique pays. Moi, je vais insister un peu sur ça, la question de la transition. Transition vers qui ça? Parce que, bon, bon bout de temps, depuis qu'on a parlé de transition, mais avec des gouvernements provisoires. Oui. Est-ce que, vous n'avez pas dit? Nous en transition. Nous en transition. Avec qui gouvernement? C'est ça, fait mettre l'entre guillemets. Vers qui ça? C'est ça, fait mettre l'entre guillemets. Moi-même, je ne pas. Moi, je dis que c'est en période que nous relais les transitions. Nous avons un conseil présidentiel de la transition officiellement. Donc, nous relais les transitions. Mais, dans la façon de développement, en fait, là, nous sommes sûr de qui transition nous parlons. C'est-à-dire, moi-même, en tant qu'observateur, je ne suis nous voulons sortir de A à l'B. Mais qui ça, conseil présidentiel de la transition, ça a proposé pour nous faire ça? Donc, on est toujours à dire, même, il y a trois responsabilités. C'est faire ramener sécurité, faire élection et puis faire référendum sur question constitution. C'est ça pour eux-mêmes qui créent les transitions. Qui priorité par eux. Qui priorité par eux. Et maintenant, nous avons carré les transitions. Si par exemple, nous allons faire un changement, une série de changements dans la constitution hein, pendant la période, ça vrai, pour nous dire que nous avons un tel système de gouvernance, que l'équipe va modifier la donne pour nous partir sur de bonnes bases à partir de X années. Mais pour l'instant, pas rien qui est clair. Nous ne pouvons pas connaître s'il y a un référendum vrai ou pas. Est-ce que par exemple, il y a fait élection avant ou bien est-ce qu'il y a fait changement de constitution avant? On ne sait pas. Et maintenant, soit fait changement de constitution avant et maintenant, qui l'a fait élection? C'est très important. Qui l'a fait élection? Parce que l'élection va le faire pour élu, monde que vous poste que vous pouvez supposer créer dans la nouvelle constitution. Right? Donc, ouais. Donc, je ne sais pas. Sous votre sénateur et puis la nouvelle constitution, vous pouvez m'aider. Non, sous votre sénateur et puis la nouvelle constitution ou pas. Ou éliminer, par exemple, sénateur. Donc maintenant. Qui élection c'est n'a dit élection oui. Nous voter ou pas bon quoi ou bien est-ce que n'a dit bon n'a toujours fait élection c'est pas encore ça nous voter c'est juste que dans l'élection qu'a fait là yo pourquoi entre en application c'est peut-être dans 5 10 ans mais dans ça qui bon garantie que le prochain monde qui va venir la respecter ce que dit sous dit par exemple président vice-président donc dans nouvelle constitution c'est important ce dit là que bail qui pas clair qui est pas clair mais clair que nous-mêmes qui absuivent la réalité pays, et pour changer la constitution, façon liée à la constitution, là,
pratiquement impossible si on parlement pour aller changer la constitution ça là. Parce que li lok en dans constitution parce que les noga des modèles parlement de gain yo c'est des nèg qui influence à merci. Et c'est même n'importe groupe qui fait des séries de propositions basculer pour basculer en série de bagarre, il avait dit pas bon pas gagner une série de discussions honnêtes et réelles sur la notre avenir au sein de ce parlement comme il n'en a jamais eu. Pas même le parlement. Ensemble. Division que nous avons ces dernières années, ok, c'est des monde qui malléable, corvéable. Ah, merci. Merci. Et c'est ça qui certainement mène nous là. Voilà pourquoi moi pense que la première démarche à partir de tout ça qu'on dit là, c'est aller vers une compréhension de problème. Non? Yes. Par exemple, un paquet de thèmes que nous avons ensemble. Par exemple, la démocratie. C'est quoi exactement la démocratie? Qui ça gagne comme contenu? Ok? Qui j'ai un contenu, en supposant que tu as un contenu, qui j'ai un contenu sans adapter à la réalité socioculturelle, par exemple. Par exemple, pour moi, bien simple. Même si il y a des petits mondes petits, il y a Paris, tout le monde. Les garçons notables dans la zone, et puis, il y a juste vraiment un sentinelle à dire que Kazel n'a besoin. Ok? Et puis, Nexa, il y a habillé correctement, et puis après, il présente. Mais, nous venons avec ça, qu'on est Menotte démocratie, hein, après 94, nous besoin, nous n'avons pas fait le distinguo entre nous. On ne pas dire que tout le monde est égal devant la loi, non. Mais il y a deux modèles qu'on a, de traitement qu'on a. Donc, il y a un impact okay, sur l'autre monde qui a regardé. Et peut-être même la constitution, ça, qu'on a là, qu'on a reproché. Tout ça qu'on est à gagner, à toi. Ça ne l'a jamais appliqué. Oui, à toi, à raison, je ne connais pas. Mais cependant, nous avons besoin de la chance pour l'appliquer. Et voilà que nous disons, nous sommes en transition avec tout ça. Comment nous là, et tout simplement, révoyer nous, à corriger cahier nous, pour nous, ça n'a pas l'air de parler d'affaires. Et là, c'est son enquête qui est extrêmement utile et méthodologie. Qui gagne en la question, tu as mérité les moyens si vraiment nous voulons aller en côté. Alors, il y en a même voulu préciser parce que la question sous décision pour aller participer dans l'élection, nous avons lié question avec le gouvernement dans la période. C'est-à-dire, nous-mêmes, ça va intéresser nous l'année prochaine, par exemple, après un an, nous avons bien aimé à le regarder encore. Pour est-ce qu'il y a une évolution qui fait dans l'attitude de Mounio sous question élection. Mais c'est pour ça une enquête importante. Roger, Anthony. Bon, premièrement, remerciement à Policité pour l'initiative là. Il est nécessaire dans la société que les gens puissent réfléchir. Ma prête dans ce sens positif là pour me dire que, sans babler, il y a une tragédie pour nous corriger, c'est le déchoucage de l'université dans son sens générique. Okay? Pas juste l'université d'État d'Haïti. C'est la question de la vocation de l'élite qui demeure posée depuis. C'est comme si la série de lectures de 1917 de Jean Price-Mars qui posait problème, non, qui que lui mettait dans un livre qui relève la vocation de l'élite, il publie en 1917. Jean Price-Mars, pour un peu le monde qui voulait connaître, c'est un plus grand intellectuel que le pays a jamais connu. Nègre d'un si je me rappelle. Homme d'État, des mêmes candidats à la présidence, c'est peut-être tragique que le pas de président, ambassadeur, précurseur de la négritude d'Aimé Césaire et consorts. On croit qu'une chaîne citoyen qui t'a lamenté en 1917 que le pays a gagné moins d'une vingtaine de maisons d'édition. Je veux dire, on va nous gagner 6. Tu as besoin d'édition, puis faut certainement basé à Port-au-Prince, le centre, la République de Port-au-Prince, mais tu as dans le Cap, dans le Nord, tu as au Caï, Jamel, tu as besoin d'édition. Donc, premièrement, merci que Policité pour l'initiative là. Nous avons fait une recherche rapide sur Internews. Moi, ouais, que c'est un organe reconnu d'utilité publique qui est basé en Californie. Qui fait pour me lier avec Haïti pour me dire c'est bien malheureux que pas gagner parmi les élites haïtiennes, certainement et l'élite économique et l'élite intellectuelle
ou encore les notables de tous horizons qui étaient nécessités pour financer une initiative comme ça. Malheureusement, en Haïti, comme société a complètement étriqué, crasé, nous pas jamais pensé que pour nous moderniser l'institution, pour nous comprendre que les Haïtiens qui brillent dans tout le monde, dans pratiquement tous les domaines. Donc c'est bien malheureux qu'on était obligé à chercher financement à l'étranger pour faire. Moi-même, on appelle là qui était lancé en subvention de Internews pour une initiative en Haïti. Bon, nous ne sommes pas gardés, nous n'avons pas de mauvais dessin. Pas de monde qui peut dire que œuvre ça, c'est pas un bagage qui est bienvenu dans le contexte côté un pays à vivre ça n'a vivre là. Donc félicitations que nous prenons l'initiative là, c'est le premier bagage. Et puis c'est une honte que l'autre élite dans le pays a pas porté contribution, yo, ne serait-ce que pour un partenariat. Malheureusement, tout le pays a tourné vers l'extérieur. On a marché avec nous là, et on est obligé à envoyer un message, on a fait petit point qui est à l'étranger, donc tout élite pays a nous tourner vers l'extérieur pour les soins de santé, pour se montrer la situation, hein, et docteur, pour mettre petit nous l'école, mettre. Pour le système politique, la gouvernance, j'en souhaite à dire là par rapport à la Constitution qui interpelle nous. Donc, tout problème nous posé là et qui montrait que le peuple haïtien a soif d'une meilleure gouvernance. Et ces positions, j'en souhaite dire tout à l'heure, que Haïti n'a pas un problème de sécurité, Haïti n'a pas un problème économique. C'est-à-dire, ça, c'est conséquence de l'autre bagaille. Alors, excusez-moi pour vous comprendre. N'a souffert terriblement, c'est pas ça que je l'ai dit. Mais en tant qu'intellectuel, pour moi, c'est parce que le pays n'a pas gouverné qui fait nous arriver à un niveau de l'IA. Parce qu'on comprend bien, tout pays a une criminalité, tout pays. Claire. Okay? Même pays plus riche sur la terre a une criminalité. Il y a toujours des déviants, des gens qui font des comportements terribles dans tout pays. Mais tout pays n'a pas un niveau de violence nous gagne. Ok? Et m'a accepté que même aux États-Unis, que on dit que c'est plus grand pays dans le monde là en termes de per capita et revenus, tout ça, nous avons seulement qu'à assassiner le président. Donc, ce n'est pas en Haïti seulement que ça a fait. Cependant, ça n'a pas vivre là, interpellé nous, son bagage qui est terrible. La société a crasé parce que au sommet, les élites, là, m'a parlé, les gens qui ont fait politique en particulier. Ok, façon nous faire politique dans le pays, il faut bagarre ça craser. Net. Faut bagarre ça craser. Pas de rien dans bagarre ça pour nous kembe. Claire. Sauf que, on nous reconnaît que depuis 1986, après le départ de Duvalier, il y a des acquis de la démocratisation. Et moi, je veux comprendre que la démocratie en tant que telle, qui signifie qui ça? Pour ces citoyens, on participer dans les affaires pays, ok, de façon inclusive. A priori, pas d'exclusion faite. Bien que, on ne peut pas mentir. Nous nous achita autour de la table ou même nous quatre invités, on comprend à ce niveau bagala pas réellement équitable parce que gen moun nous connaît dans la société a bon influence nous gagne que haïtien moyen que citoyen moyen pas gagne et c'est vrai dans tout pays me devrais admettre ça mais côté bagala grave en Haïti c'est le fait que moi-même qui se veut un intellectuel patriotique et pris de civisme qui est un pays qui pense que Haïti c'est un plus grand pays qui jamais existé dans le monde. Je suis fier d'être haïtien, mais entre-temps, il y a des compromis par me fait, compromis me fait personnellement, pas prendre par responsable de tout le bien moi fait pour me vivre. Donc, je pense que le travail ça a fait nous comprendre une fois de plus que nous avons nécessité pour nous reprendre le contrôle de ce pays. Moi saluer Kenyan yo que avec tout problème yo gen dans pays yo ils ont bien voulu rentrer en Haïti pour commander une mission multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, la nécessité jodi a m'a pas c'est papa en pile français, c'est éducation qui fait comme ça. Nécessité jodi a c'est que nous prenons contrôle pays a. Mais ça veut dire nous tendez, nous soutendez un ensemble de problèmes que citoyens pensent nous dit nous gain et moi-même pas aucun problème avec un et au dit là
OK, m'barre réellement al besoin vérifier ça au diam prendre homo. Ce sont des jeunes monde corrects qui font travail, peut-être n'est capable monsieur, il a 62 ans. Il a 35. Capable. Sauf que premier petit quand j'ai 21 ans, m'ba on est qui chaud. Au compte de longtemps. Non, au compte ou tout l'âge ça. M'ba pour là. OK, bon n'est capable monsieur, mais petit pas 22 ans pour 1er novembre. Me fait monsieur l'homme de 40 ans et demi. Parce que je suis préoccupé à d'autres bagailles. Alors ça me l'a dit, et je voulais retenir dans ce sens positif là pour me dire, nous avons une cartographie de sa peuple à penser de système de gouvernance pays. Qui sa peuple à chercher dans nous. Qu'on est à nous-mêmes en tant qu'intellectuels, et tout le monde qui est responsable dans l'économie, dans la politique, l'autre intellectuel qui attend de nous, maman petite, papa petite qui attend de nous, jeune qui gaspille à son qui attend de nous, tout ça nous avons pour nous faire. C'est pour un document ça, m'a interpellé le premier ministre, le chef du gouvernement, c'est pas lui même seulement, mais le gouvernement, il est le premier ministre, il n'est qu'un ministre. M'a interpellé le conseil présidentiel pour nous suspendre le marché dans l'ambassade, pour nous suspendre faire tifigui devant le représentant résident du PNUD, qui n'est qu'un petit fonctionnaire de troisième rang. M'a demandé nous pour nous suspendre faire mission à l'étranger, tout diplomate que mieux me comprendre le contexte géopolitique là. Cependant, premier devoir nous gagner en Haïti, que nous pas jamais prendre responsabilité pour lui, y compris pour nous financer des initiatives comme ça, parce que c'est un café. C'est gouverner le pays. Ça veut dire. Dans la transition, ça, il faut nous tracer exemple. Moi, je rappelle que, pour nous parler d'élection, dans la transition qui a été faite entre 2016 et 2017, là, d'un peu moins d'un an. Président Jocelyne Bivère, ce n'est pas un endossement, c'est juste pour reconnaître son monde fait. Bon, il y a l'autre bagarre à reprocher. Mais, il prend ressources pays. Il fait élection. Il ne peut pas mettre COP dans le programme des Nations Unies pour le développement. Si, rencontre conseiller présidentiel là, t'as à le faire, c'est pour moi des pneus pour fonds fiduciaires pour aller déposer l'argent, l'État la donne. La loi haïtienne, m'a dit nous, monsieur, m'a dit premier ministre Lamotte avec le président Matelissa. La loi haïtienne est illégale pour le fonds de l'État à un fonds que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a pas contrôlé. Mettre là, la gardée, dit qu'on est ce m'abdi à Evry, je ne vais pas parler pour mettre là, qui a exprimé le tout. Mais m'a dit que le premier bagage qui interpelle nous, c'est la responsabilité de prendre le contrôle de ce pays. Il faut que les élites de ce pays aient le contrôle de ce pays. Donc, il faut que nous gouvernons le pays. Le premier ministre, ou fait on tourne à l'extérieur, qu'on a besoin pour faire tourner dans les départements. Ça qui a passé pour le Prince-Lan, ça qui a passé dans le bazar Tibonite, qui pratiquement fait partie du grand bassin de Port-au-Prince, l'a monté, ouais, on continue à monter, ou après, il y a une agglomération jusqu'à ce qu'on arrive carrément Gonaïve. Et premier ministre là, les ministres, les conseillers présidentiels, nous gagnons pour nous aller dans chacun des 10 départements pour nous regarder dans quelles conditions nous y a vivre. Moi comprends que nous avons une feuille de route qui a 5 axes là-dedans, dont ultimement l'organisation des élections. Pas quitter blanc mené nous, et y a beaucoup parlé pour l'élection. Je vais demander pour une transition indéfinie. De toute façon, le pays a une transition depuis pratiquement bon, ouais, 1956. 2024, 6-8-14, 68 ans. Depuis 68 ans, on a fait l'obéi. Même si vous avez mis l'appel Duvalier, vous pouvez vous mettre l'appel. Oui, non, à partir de Duvalier. Ah, ok. Je pense que vous pouvez ça. Il y a une rare fois que le pays a été bien gouverné depuis 1804, de 220 ans. C'est 1950-1956. Léon Dumas est estimé. Ok. Nek Verret fait des merveilles dans ce pays. Je compte sa vie sans l'été, il y a 62 ans. Moi, j'ai la photo sur mon téléphone. Ouais, j'ai 62 ans. Après, bien que M. T. joue un rôle général des forces armées d'Haïti, pour le jeune Magloire, n'est-ce pas en passant? Qui jetait n'est-ce pas Morin. N'est-ce pas non? M. GT est président estimé, qui est obligé à l'exiler en France. En tout cas, c'est aux États-Unis. Et M. qui fait calé d'Algo naïf. Oui, mais ça me donne. Non, ma fini. C'est mon bagage, Baldi. Président Paul-Eugène Magloire
Monsieur suivre sa président estimé de faire. C'est sous président estimé que il commencer. Oui. Dernier grand travaux qui fait, oui. Dans, grand travail qui fait, grand chantier qui fait dans le pays. Continuité. Monsieur continuer. En bas du Valais, ça, du Valais continuer le tout. Oui. Inauguré jusqu'à sous Jean-Claude. Inauguré sous Jean-Claude. Donc, PIA, tu es capable de arriver à nos niveaux si nous t'as suivre le cheminement ça. À partir de Duvalier, nous prenons l'État, parce que Duvalier qui est ministre, estimé, nous se rendons compte qui a pour qu'il y ait pouvoir dans le pays. Parce que c'est des méchants. Nous sommes assujettis l'armée. Nous sommes substitués, nous créons une milice personnelle. VSN. Ou après, le président Aristide. Fait pratiquement même bagaille là, créer une espèce de milice, un bagaille les chimères, ainsi de suite, qui mène un jour d'IA en partie, continuer là, jour d'IA. Maintenant, je ne vais pas vous remonter pour me dire, nous avons une responsabilité pour nous faire nos mesures de justice transitionnelle, pour nous prendre conscience de tout l'objet que nous faisons depuis 1956, qui mène un jour d'IA continuer là. Et puis pour nous garder la lancée d'estimer. Pour nous dire c'est là que nous voulons tourner et puis à partir d'estimer pour nous garder comment le pays a avancé. Je ne dis pas que le pays a développé à partir uniquement de ressources propres. Même les États-Unis, même la Chine, deuxième économie mondiale, première, deuxième économie mondiale, jouent des investissements directs étrangers. Mm-hmm. Cependant, le premier devoir pour nous faire, c'est pour nous garder tête nous. C'est pour regarder nous qui tournent vers l'extérieur, là, tourner dans le pays. Là. Pour nous garder tout l'objet d'affaires. Pour nous bien gouverner le pays. Là. Et puis, quand nous prenons le pays en charge, au niveau de la gouvernance, c'est là qu'on est capable de résoudre le problème économique, là. C'est là qu'on est capable de résoudre le problème problème sécurité, là. C'est santé. Là qu'on est capable de faire santé, c'est là qu'on est capable d'assainir le territoire, c'est là qu'on est capable de créer des emplois, attirer des investissements. Donc, le travail que nous faisons là dans la publicité, là, c'est un début. Ouais. Nous devons prendre le travail, ça, nous marier avec la feuille de route. Nous remercions les Kenyans, nous remercions les Américains pour le faire. Ok, pour tout le monde qui a parlé, je suis un diplomate américain, parce que je ne sais pas si je monter pour comprendre. De toute façon, nous avons utilisé tout ça. Comme nous mettons dans une situation, côté nous obligé de arriver, côté nous arriver là, jour d'IA. De toute façon, nous avons pris deux voix nous en tant qu'intellectuel. En tant que monde qui a décidé pour le pays. Parce que tout est supposé qu'on tout le pays supposé qu'on élite cap menel, les philosophes rois de Platon. Où sont les philosophes rois d'Haïti? Nous parlons quand même assez fatigué dans le pays, parce que nous cherchons l'étranger pour faire tout le bagage pour nous. C'est même si ça ne peut pas comprendre. Pas quand même assez fatigué. Oui, donc qui signifie, moi et mettre la Geoffrey avec les autres. La Geoffrey, la Geoffrey là. Ça dit que moi-même, moi d'avril, nous prenons travail ça, le gouvernement prend travail ça, nous faisons une espèce de peer review. Peer review signifie un travail fait, et le monde qui qualifie pour faire, ou garder le travail là, ou examiner, ou dit qu'il fallait gagner, qui s'est bon la donne pour avancer. Oui. Et puis nous prenons. Nous marions avec feuille de gouvernement. Et puis, nous décider. Le problème, c'est que le peuple a identifié. Parce que toute gouvernance faite pour regarder qui sa population a besoin. On approche participative. Donc, nous ne pouvons pas limiter nous pour nous dire. Nous gagnons jusqu'au 7 février 2026 pour faire des élections. Donc, nous circonscrivons tout le bagage à ça. Il est encore hypothétique que nous ne sommes pas capables d'établir la sécurité. Je pense que nous sommes capables d'établir l'autorité de l'État dans les zones assiégées par les groupes terroristes. Cependant, résoudre le problème de la sécurité passe par des politiques publiques à court, moyen et long terme. Mais il faut nous commencer par d'abord comprendre la problématique là, de façon scientifique. Oui. C'est à son début. Mmh. Nous finissons comprendre la politique là. Nous avons une gouvernance améliorée. Moi, le Premier ministre a une fougue. Il voulait aller dans le bon sens. Moi, je demande moins de propagande. OK? Il faut la communication. Mais une communication qui s'apparente à une propagande. Une meilleure communication. Ou annoncer. Ou état d'urgence, c'est bien. On a nos besoins qu'on ait. Qui opération été faite, qui résultat nous joigne. Nous n'avons pas besoin de détails pour les bandits pas alerter. Et puis, on nous avance. Et puis, systématiquement, nous commençons à répondre à ce peuple à chercher. Jusqu'à ce que nous parions pour nous faire élection, pour le pays à reprendre le chemin des élections, pour ne pas continuer sur le chemin nous là aujourd'hui. Pratiquement une province des oui. États-Unis d'Amérique, une province de la République dominicaine, qui a humilié nous. Donc, moi-même, ma plaidoyer pour nous prendre l'initiative ça, et puis nous faire de lit, nous mettre dans la feuille de route là, pour nous garder qui ça pour nous faire, pour nous avancer, pour nous reprendre le contrôle de ce pays, et puis pour nous focaliser nous sur Haïti. On regarde qui problème nous gagne ici en Haïti. Et puis après, nous sommes capables de dire,
Mais problème nous gagne, mais aussi ce que nous mobiliser nous-mêmes pour nous assainir la douane, assainir la DGI, pour nous avancer, bon il faut que tu qui t'es commencé fait sous Ariel Henry pour faire ça. OK? C'est un piètre gouvernement, il y en a pire dans ce pays, mais bon grande initiative qui te prend qui est extrêmement bon pour faire moun k'ap voye k'ap utiliser la douane payer son doué. Donc de là, nous capables de jouer nos ressources pour nous commencer à montrer à la communauté internationale, pour nous commencer à montrer à la postérité, à nos enfants, que nous prenons contrôle du pays. Donc moi-même, c'est plaidoyer ça m'a fait pour travailler là, bon travail, excellent, à nous avancer. Excusez-moi, c'était un peu long, mais il faut me faire mise en contact. Et professeur Honora. Oui, mais mes premiers mots, c'est remercier Policité avec Internews pour travail ça. Parce que normalement, le premier bagage nous besoin dans le pays, c'est des enquêtes pour dire état des lieux et pour décider où on est, comment pour avancer. Et équipe et Policité, chapeau, et donner ça, nous souhaitons que nous publions, nous arrivions à Mounio de Rivière, à gouvernement en particulier, pour qu'on prenne les bonnes décisions. Et nous avons conseillé tout d'autres organisations qui ont fait une contre-enquête pour corriger ça ou bien pour capable démentir l'information. Parce que jusqu'à présent, nous prenons l'information qui dans l'enquête là comme étant des informations fiables. Gagner des interviewés qui au nombre de 2853. OK? Et puis moun sa yo ba opinion yo sou les besoins que peuple haïtien gagne. Mais moi même en tant que professeur, on croit yon bagay. Nous toujours dit que nous démarrer sur de nouveaux et de mauvais pas. Parce que normalement pour le développement, premier bagay ou besoin accentuer sous li c'est l'éducation. Tout commence par l'éducation. Et ça qui est écœurant, c'est que depuis naissance pays, l'Université d'État d'Haïti, pas mon campus. Alors que l'université, c'est le haut lieu des débats. Là, pas mon campus qui réunit toutes les facultés. Pour brasser l'idée. Par exemple, question de sécurité, on était qu'à poser à l'université, et puis des débats sont enclenchés, et nous sortis avec des résolutions. Mais nous pas un campus, malheureusement. Il y a une université privée qui arrive à faire un campus, et tant bien que mal, et que bandits chassés dans le campus côté où il y a, parce que nous avons pris GOC, par exemple, qui était en pleine. Un bel campus, mais malheureusement, il n'y a pas qu'à arrêter là-dedans. Trêve. Maintenant, comme faut que nous disons gouvernement ça, qui là, ça nous pense en tant qu'élite intellectuelle, nous disons qu'en tout premier lieu, gouvernement ça doit faire l'inventaire des ressources dont dispose le pays. Puis, les ressources au pays gagnent, c'est les ressources humaines. Gen moun. Naturellement, le pays a commencé à anémier parce que Haïtien pa wè l'autre côté pour chercher refuge à l'étranger parce que le pays a pas offert la sécurité qu'il faut. Parce que là où il y a l'insécurité, et l'argent et les citoyens fuient. Et puis, dans les ressources humaines, ça yo, ou gardé ou pas compétence. Qui compétence tel groupe gagne? Comment qu'a utiliser? Par exemple, nous pas toujours être de bon oeil. Quand pour former un gouvernement, on cherche ses amis. On prend le pouvoir avec des amis, mais on dirige avec les capables. Si ces amis ou mettre, bon, ça son bagage familial ou fait. OK, son bagage amical ou fait. Mais le ou fait pays ou chercher moun ki capable, moun ki gen formation pour ça. Et que pays a doit gen des ressources disponibles pour répondre à besoin. Nous gen pays et moi m'a parlé dans même ça avec Pierre Antoine pour me dire que moi pour moi Haïti c'est le premier pays au monde. Pas exagéré parce que m'gen chance visiter presque tout pays en Amérique là.
m'paoué yon pays qui comparable avec nature luxuriante Haïti gagné avec ressources que nous si nous exploitons mettez nous non niveau l'histoire est appréciable et notre histoire son histoire vraiment d'une épopée extraordinaire et yon nan bagay pour haïtien konnen et nous devons diffuser ça. Haïti c'est yon nan pays qui aide plus pays dans le monde. Le panaméricanisme, c'est nous-mêmes en Haïti, après l'indépendance, en 1804, qui finançait tout pays dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale pour prendre l'indépendance. Et Pétion te dit à Bolivar, mets l'argent, mets manger, mets Negmbaou, chaque côté où est-ce esclave, libérez yo. Et yon nan bagay qui te fait m'kouè ça effectivement, m'talé au Panama nos conférences. Lè a fait auto-présentation, lè yon rive sou mwen di sa isyenge, mette de cérémonie en mandé assistance lan pour yon campé, pour yon saluer le représentant de l'Haïti ya. Parce que Haïti, dit-il, c'est la mère de la liberté. Tout cheveux dans tête mwen tressaillit parce que vraiment m'de senti. Et c'était yon belle bagay. Donc, bagay ici, pas qu'on est. Nous t'es des États-Unis, oui. Yon pas dit ça. Yon pas vle dit. Dans la Deuxième Guerre mondiale, Américain rentré dans la Deuxième Guerre mondiale, je crois, en 1942. 41. Après Pearl Harbor. Eh bien, le président Elilesco fait Américain cadeau. $1 million pour soutenir les efforts de la guerre. C'est en pile. Hein? Et pas que ça. Au début, à l'époque. Vous avez pris un terrain, vous avez fait 6 ans, vous faites 40 ans. $1 million. C'était vraiment extraordinaire. Et d'autres choses encore. Après la crise de 1929, Haïti finançait le gouvernement américain à hauteur de $6 million pour créer Chada, la société haïtiano-américaine pour le développement agricole. Alors que, yo tap leurre nous, Chada pas pour développer l'agriculture vraiment. Parce que yo t'écrasé toute plantation vivrière que nous avons gagné pour planter EVA, qui c'est caoutchouc, pour planter pit, sisal, et puis pour planter coton, qui pas des produits comestibles. Donc, c'est une façon pour yo t'écouler produits ont gagné en supplé la caillou que nous-mêmes. Alors Chada vient fermer, Eveya fin planté, son plant qui prend 10 ans pour le grandir, pour nous l'être la donne, l'être ça pour faire caoutchouc, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale là, il n'y a pas de cavalé en Océanie, en Australie pour y arriver en caoutchouc, parce que les routes étaient, les voies de communication étaient pratiquement bloquées. Nous pas temps exporter même un tonne de caoutchouc. Et Chada fermé et toutes les plantations sont détruites. Ok? Et puis, Haïti, c'est pas le reproche n'a pas fait, c'est l'histoire. C'est le deuxième pays qui est indépendant en Amérique. Là. C'est le pays signataire de la Charte des Nations Unies. Ok? Donc, le Amérique était besoin pour l'indépendance li. Eh bien, c'est Haïtien qui a fait appel à lui pour aller de la bataille à Savannah. Yo récompensé nous en monnaie de singe. Et puis, nous pas gagné des dirigeants responsables pour prendre le destin pays en main. Mais Haïti, comme nous toujours dit, comme nous avons constaté, Haïti n'est pas un pays pauvre. C'est un pays appauvri. Et je ne sais pas qui côté, disons, et entendre ça, mais à chaque fois que nous arrivons pour nous capter son petit plume sous nos noms, eh bien, nous passons rasoir, nous coupons. Et je vais vous donner un exemple. 21 ans après l'indépendance, nous commençons à rassembler nous. Alors, m'a rappelé nous que nous fait 300 ans de travail sans toucher comme esclaves.
De 1503 à 1804, nous travaillons sans toucher. Et puis, en 1804, nous indépendants, nous commençons à faire économie. La seule richesse Haïti, c'est la terre. La terre. Et nous travaillons la terre, malgré grand pays occidentaux qui ne reconnaissent l'indépendance, nous, il y a fait commerce en bachal avec nous. Il y a fait contrebande avec nous. Il y a fait bois et okay. Bois précieux. Campèche, bois ouais. Précieux, mm-hmm. Tout ça, c'est nous qui avons OK. Eh bien, là, vous remarquez, nous commençons à rentrer bon corps. Vous connaissez ça, vous faites Charles X, le roi Charles X, en 1825. Eh bien, sorti en ordonnance, il dit que Haïti doit dédommager les colons de Saint-Domingue. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Alors que nous avons droit mander colons pour dédommager nous, les Européens, pour les 300 ans passés en esclavage à faire leur richesse. Mais c'est yo qui mandé pour nous bailler 150 millions de francs or. Nous pouvons même négocier et ça. Et 150 hein? Millions de francs or, ça, nous pas de gagner. Nous pas de gagner. Et puis, voyez qui voit que le pays n'a pas cadenas en guerre parce que la France promet que si nous pas ta payer, la vient avec bateau, craser nous, pour éviter tout ça. Et voyez pas te résister tout. Yo accepté. Pour nous faire affaire avec quatre banques françaises qui prêtaient nous comme ça, qui prêtaient nous pour nous remettre en cob que nous pas prêter. Nous fait presque tout 20e siècle là. C'est en 1947 sous le gouvernement de ou dit 1947, Dumas estimé qui éteint de ça. OK. Donc comme yo ouais. Alors, d'être ça, c'est un boulet de galère que nous avons traîné. Parce que, ou toujours gagné, et un corps pour payer. Le niveau budgétaire ou les services de la dette, de alors que c'est pourquoi vous êtes prêté pour faire développement pour rien. Donc, nous arrivons, nous pas qu'à pousser plumes sous dos, nous. Et puis, Haïtiens, pour la plupart, ils ont plus quoi que étrangers qui ont fait pour eux, que ont fait pour tête pas eux. Nous avons les moyens pour nous vivre. Il y a la coopération bilatérale, il y a la coopération multilatérale. Nous avons toujours utilisé à bon escient. Mais nous restons à attendre. Et puis, nous pas choisi ça nous voulons. Nous avons un pile dans nous là. Bon, et nous avons la question de PEPADEP. Ok? Et là, nous avons tué cochon créole et paysan nous. Ok? Si un cochon gagne une maladie, mon papa dit qu'il est malade, une peste sorti en Afrique, c'est il traverse tout pays gagne en Amérique du Nord, Amérique, il passe l'Europe, il passe Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est dans Caraïbes, en Haïti, il vient dans cochon. Ou dit wa bam 40 pour gros, 20 pour moyenne, 5 pour petit, même qu'à manger vient non seulement pas assaisonnel, pas conserver. Mais le gros bon sens qu'après que si vient un malade, m'pas qu'à manger. Eh bien, il réalise que nos porcs sont tellement prolifiques, ils ont pas qu'à faire jusqu'à 15 petites. Et l'a chapé toutes. Eh bien, c'est une source de revenus liée aux paysans. Ils ont éliminé. OK? Et puis, avec ça, c'est là que ça a commencé à voyer des 5e partie animaux, tant que pieds, tant que tête, tant que boyaux. Vous voyez Banon, vous voyez Zel, ok? Vous voyez pieds Banon pour nous capables de consommer. Alors que nous ne connaissons pas bagay ça. L'autre bagay encore, vous faites nous. Là, vous faites retirer carnet banque paysan. Yo wè que la Tibonite a fondiri qui gagne en pile aura dans pays étranger du madame Gougous, TCS et l'autre nom encore chez là etc. Eh bien yo fait un bagarre que le dumping avec nous que nous pas dirigeant nous yo pas prêter attention à ça
seulement yo vinn ban nou mwen sonje gros sac direct te vann ki te gen 18 mabit la li te vann $16 au cap haïtien 80 gout au cap haïtien il te vann $18 ici $1 par mabit son façon pour décourager production nationale diri nan plein nou yo et que pour vendre d'ailleurs la preuve c'est que Bill Clinton t'es demandé pardon à peuple haïtien oui. Parce qu'il t'es contribué. Il contribué dans craser. Dans craser production. Production du riz nous gagne ici. Donc, Haïti, c'est un pays qui a volé avec propres ailes. Seulement besoin de la coopération bilatérale ou multilatérale. Mm-hmm. Et m'a dit l'autre dernier bagaille. Pas un haïtien qui demandait comment exploitation minière fait suspendre en Haïti. Ça, depuis 1983, pas gagné exploitation minière, pas gagné exploitation bauxite dans Miragouane. Ouais. Nous pouvons songer CDN, Reynolds. T'es quoi exploitation, vous naïve, tout? Oui, oui. CDN, ok. Reynolds à Miragouane. Donc, tout bagaille ça, yo, fait que nous pas arrivé vraiment et capran cap nous en raison de vision qu'en pile dirigeant nous yo pas gagné problème gouvernance OK c'est la mauvaise gouvernance chaque monde cherchait pour yo riche à propre tête m'a fini pour me dire comme ça que nous pas compose dans moment nous y est dans transition ça nous y est là faut nous connaître transition transition qui abouti oui faut nous connaître transition vers quoi OK pour nous pas tourner dans même rubrique et confrère nous Pierre Raymond Dumas cette transition qui n'a fini pas. Merci okay. Merci professeur. Bon dit que travail ça Jean professeur Antoine Tabdili bon. Ou gen pas d'accord forcément avec tout ça qui dit dans enquête ou gen doit bon, encore faut-il bagages. Que ou... gardez son travail qui il mérite encore pour dire pour t'acheter pas ni pour monter. Ouais, il faut travail pour nous même sous. C'est ça. Qui dit mieux? Faut qu'on enquête. Faut qu'on enquête. Même ça ça apprécier tout matin nous venir et puis nous garder ça parce que nous dit li intéressant. Pendant nous faisons que ça nous va ting nous. Vous dites, bon, faut garder curiosité, organisation, parti politique. Oui, oui, bien sûr. Vous m'avez dit non ça? Oui, non, comment c'est? Ah bon, son nègre, il va l'empêcher de dormir là avec l'autre ami. Les bails ont commencé à sortir net, les documents disponibles. Parce que sur le parti politique, une organisation, ou après décision, je vous dis, il est intéressant qu'on garde enquête pour dire, mais comment ma proviente? Parce que son document, son outil. Pour nous même, ça qui est important pour nous, c'est bon côté intérêt population. C'est-à-dire, pour moi, whatever ça l'autre monde pense, pour moi-même, c'est... Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment... Parce que ça dans le cherche, c'est vraiment ça, mon Dieu. C'est pas comme si c'est des bails que nous inventons. Et il y en a un facteur là que nous pas dit, en termes de besoin d'information comme dans la radio, ça les dit nous que la plupart des gens yo considèrent que réponse gouvernement yo à problème à événement yo à problème actuel yo c'est premier besoin information besoin qu'on est dans la radio dans journal dit ça gouvernement a fait ce problème yo ensuite yo souhaité gain information sur politique à programme parti politique yo ouais. Ou bien candidat yo et puis antécédent candidat yo même avant yo décider à voter pour candidat okay, là ça c'est ouais, ouais besoin ouais, d'information ouais, ou une réponse ouais. Du gouvernement 53% politique et agenda politique 44% passer les candidats 43% date et procédure électorale vient en 4e position en 40% 5e position droit et politique et citoyenneté 6e position réforme politique 7e position performance du gouvernement ouais. Et relations internationales ouais sont posé là et pas longtemps dans ce maintenant m'a parlé avec le professeur Islom qui est habitué venir ramasser tout et puis n'a dit tête nous mais c'est bel moment. Quand on a regardé ça, l'autre monde a baillé l'autre l'idée. Bien parce qu'en Afrique du Sud, où songez, l'heure a fait première élection, Nelson Mandela, après M. Fin lagué, et puis M. Fin, c'est dans l'élection, ça, M. Fin président. Et yo dit, tu on sait des corridors, moun pa doué al voter. C'est des idées, tout. Moun pa capable d'entrer dans un corridor qui fait 200 mètres, ou après trop pour al voter. L'orivo, on a dit, nek qui joue dans un corridor, mais quoi, c'est pour être, monsieur, c'est cap décider pour moi voter. Ça, c'est une. Et nous avons gardé l'autre forme. En quoi nous dit-elle nous? Pourquoi ça a un nom qui a un gros fait dans mon équipe? 4 fois ça. Et pas on fait ça maintenant, il n'y a pas de rabdou. Parce que je ne sais pas qui fait dans le un gros carton, il y a 400 candidats là-dedans. Pourquoi nous faisons un genre pour nous réfléchir tout
sous question ça, peut-être qu'il y a d'autres monde qui a fait un quête pour c'est élection ça. Comprendre. Pour gagner 400 députés. Pour gagner 400 députés, non tu comme une d'accord grecier et puis on va chercher tête au nouveau pour qu'on ben ça, moi des candidats comme ça Abdoula. On va chercher, m'a chercher Romel Bakayeni. Bon moi même Bakayeni tête moi. Donc on y a on va demander pour me jeune docteur lycée. Monsieur Romel qu'on on va prendre pause m'a dit rapidement. Oui. Gon question qui était licite tout à l'heure en fait qui m'a dit nous traiter nous pas traiter mais rapidement m'a dit c'est la question de la réforme constitutionnelle. Bon moi-même moi-même personnellement je pense que nous besoin de réforme constitutionnelle. Cependant moi je pense ça tout. Oui, cependant m'a dit tout que au fait problème Haïti a pas un problème de constitution pour me dire parce que nous pas m'pas quoi constitution 87 là appliqué à 60%. Donc nous besoin de réforme constitutionnelle. Oui, me dis pas quoi. Nous besoin constituer réforme constitutionnelle. Tout à fait. Cependant, le problème fondamental son problème moun Haïti gon problème moun et m'a dit moun yo pou comprendre. Regardez, matin là 17, moi je voulais pour moun yo comprendre. Haïti pas aucun problème là n'a pas résoudre. Regardez. Aussi mauvaise que notre situation en est, pas aucun problème Haïti gen là n'a pas résoudre. M'a dit moun yo pour nous tendre bien ça va dire nous là. Premièrement, ok, en 1965, gagnait une petite ville qui est le Singapour, qui c'est un petit spec boson Indonésie et la Malaisie qui bon la mer. Gon monsieur que le Lee Kuan Yew, monsieur prenti et ville ça. Ok, même ça, il y a besoin pour construire. C'est important, important. Pas de côté pour faire manger. Monsieur prend un petit village de pêcheurs, ça. Monsieur fait de lit une économie plus florissante dans le monde, là, Singapour. Tendez bien, en 1965, laisse la situation Haïti. C'est mieux à Singapour. Mais monsieur, qu'on va gagner les mérites, pragmatisme. Et puis compétence monsieur prend pays a monsieur mène pays a bon l'autre monsieur que le Paul Kagame qui prend le Rwanda après un génocide en 1994 dit sous 4e mandat à soi Rwanda ce n'est pas un paradis gain problème Kigali même barrage ça n'a vivre là aujourd'hui la catastrophe que Port-au-Prince la capitale de ce pays monsieur pour ça n'est la fait alors vous voulez nous comprendre que nous même j'ai un problème la Corée du Sud, j'ai Corée du Sud. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud. Après Corée a été fin scindée en deux, après la Deuxième Guerre mondiale, par l'Union soviétique et les États-Unis, le Japon, ainsi de suite. La Corée était en guerre. À ce moment-là, Haïti, Thaïlande, Corée du Sud, t'es pratiquement au même niveau économique. Mm-hmm. République dominicaine, n'en parlons pas. C'est ici que Dominicain est venu pour regarder où ça a le fait. C'est ici que vous regardez et bicentenaire, puis elle fait malé comme yoa, mal l'autre bois, une fois, une grande fois. Je regarde malé comme yoa, il n'y a pas capable devant ça et bicentenaire. Alors, une façon de dire, je dis à la meuble pour nous comprendre que si pays ça, nous décidons, je ne capte pas maintenant. Toute leçon pour nous tirer de l'obéille génération qu'on a fait là, c'est que nous parlons de ça. Ok, monsieur Humboldt. Oui. Oui. Vous avez 35 ans, petit garçon. La nécessité, c'est que les gens qui ont avec l'autre monde qui a parlé de vous, Emmanuel Adouillon, ainsi de suite, pour nous quitter pour nous comprendre que le son pour nous tirer de l'obé qu'a fait là, c'est pour nous pas suivre l'exemple génération de bail là. Génération de qui vous le dit, nous échouer, nous reconnaître que nous échouer, nous faire mea culpa, ultima culpa. Et que nous comprenons, nous avons prêté derrière, nous avons permis des jeunes, donc nous avons bouclé les gens, nous avons fait à El Salvador, nous avons un problème, nous avons un moyen pour résoudre le problème pays. Donc, moi, je veux nous comprendre que le leadership qui peut émerger dans le pays, Haïti peut le transformer. Pas aucun problème nous avons là. D'ailleurs, nous parlons la même langue. Nous tous semblons. Et puis, de toute façon, où est l'obé couleur qui existe toujours d'ailleurs, de ça, il résout le problème ça dans l'article 14. Et constitution de 1850. Tous les Haïtiens sont connus sous la dénomination de Noir. Donc, si vous décidez, on a dit, ça a été, je n'ai pas besoin qu'on ait origine, c'est le Levantine, c'est après les Arabes avec Jufla. Je n'ai pas besoin qu'on ait cité français, quand on s'est dit, sous d'origine allemande, sous d'origine française, je n'ai pas besoin qu'on ait souillé. On respecte les lois du pays ou ça a été. Je dis, on met de côté les bagailles coloristes, les bagailles endogamie.
OK, côté gain exclusion dans politique, gain exclusion dans économique. Et puis nous font faisceau, nous comprenons le problème nous gain, nous font réforme institutionnelle. Nous gardons toute l'obéi qui va marcher, l'obéi et bagaille semi-constitution, c'est vraiment de la pas marcher en Haïti. Pays a besoin de régime présidentialiste, bon, nous pas obligé d'accord avec, régime présidentialiste. Nous avons vice-président, un parlement monocaméral. Mais nous avons une tradition de la politique qui fait nous en genre. Bien sûr. Et c'est des bagailles pour corriger au fur et à mesure. Oui, comme président Pétion, qui a gagné des indices de démocratie. C'est président Pétion qui crée le Sénat en 1807, la constitution de 1807. Donc, si nous voulons gagner un parlement, pour qu'il sache un député et puis sénat. On est créé un sénat. Sénat là depuis 1807 dans le pays. Nous avons regardé Israël, pays riche, avec 6 millions d'habitants. Il y a 120 personnes dans le parlement, les Knesset. K-N-E des SPT. Ok? Et son pays riche, frère, nous avons 119 députés, 30 sénateurs. L'obéi, il n'y a pas produit rien. Parfois, chercher efficacité. Donc, c'est une façon de dire, il y a un leadership qui pourrait émerger pour nous tirer leçon de tout l'obéi que nous faisons là. Oui, il est possible pour nous faire une réforme constitutionnelle à travers une assemblée constituante. Son bagage qui prend, regardez, 3 à 6 mois pour nous faire dans tant que critère. Si nous faisons bien. Donc, vous pensez le principe pour faire en 6 mois? Il est possible. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que nous avons consulté la population? Bien sûr. Voilà. Avant, on a un modèle. Vous avez un travail à faire plus haut déjà. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils peuvent approfondir son faire. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Bien sûr que le possible. Vous avez une responsabilité pour gouverner. Faut que nous sérieux. Ouais. Faut que nous sérieux dans ce qu'on a fait. Prochaine fois, on a parlé de ça avec mon ex dans le tunnel DLP. Ou pas qu'à rentrer dans la réforme constitutionnelle là sans nous pas chiter ensemble à travers ça, nous en conférence nationale. Parce que ça est fondamental. Même question d'élection que nous avons couru sur l'île là. OK? On va pas courir sur l'élection comme ça sans ou pas comprendre le problème, non, pour essayer, pour tenir des solutions. Parce que c'est parce que nous mal parti. Bon, puis on doit le fixer là, un petit peu très loin, ok, à partir d'estimer que nous campons son bagage. Mais quand avancer, tout vous me dit que en 90, Gontier, il faut que tu aies commencé à faire. Ok, et si il faut ça, il va stopper dans la zone 30 septembre. 91, avec un coup d'État qui vient. Qui va avoir quel résultat, je veux dire, allié de mener nouveau dernier là. Voilà, qui est un coup d'État qui est dirigé certes contre le personnage Aristide, mais qui charriait un paquet de bagailles d'Alan, qui est des élans qui ont commencé, qui cassé. Brusquement freiné. Et c'est ça que parle Barreau, même si Pepa Deb est précédé ensemble à Zayo, et c'est là, rôle que l'élite, les mêmes ligues. Je te donne une capacité pour que tu anticipes. Non, nous te donnons une capacité. L'on dit yo, retirez tête. Nous la donnons. Ok, ok. Nous te donnons une capacité. Ok? Pour nous garder ça qui va venir. Essayez tant pour si t'enquête ça. Ouais. C'est des petits pays. Donc, ça qui fait parfois machine n'a pas qu'à rouler. Il y a des petits bails. Minimes. Des détails. Oui, moi, bon, ouais. Il y a des gens qui comprennent ça, peut-être pas, parfois. Nous tombons dans une bonne division dans le pays qui a soi-disant idéologique parfois. Et puis, il y a des gens qui ont dit nous des bagages, nous allons m'occuper. Par exemple, ça, c'est Serge Beaulieu tout le temps, qui a mon capitaine de monsieur. C'est qu'on l'aime, c'est dit comme ça. En Haïti, il existe des noirs noirs, des noirs rouges. Les noirs gris, ils trouvent bon bagaille. Nous c'est pour te dire ce que tu as dit tout à l'heure. Constitution, mais c'est bon bagaille, nous pas ranger, nous pas discuter sous yo, nous pas parler sous yo. Nous pas n'a pas monter alors que gain moyen pour nous discuter. Moi même haïtien me connaît. Après nous qui travaille dans un bon document, on pas quoi nous j'aime prendre temps pour aller regarder yo. Et gain dans document. Yo l'en boîte ti wa université dans pays privé, l'état et qu'on bon côté. Si nous attendons pour nous travailler, nous travaillons. Oui, nous avons une sorte de faire manger sous la science dans le pays. Mais si vous ne pouvez pas utiliser des données scientifiques pour avancer. C'est extrêmement important. Exemple, regardez, quand d'arrêt ça que nous mettons, un processus qui est enclenché pour un secteur qui est extrêmement large, même s'il y a des leaders qui ont émergé, qui ont accaparé de lui. Mais, je regarde des images sur les réseaux sociaux. Un prisonnier célèbre qui est en Haïti, qui était responsable de groupe paramilitaire, image lui dans prison. Eh oui, moi, monsieur. Constant, oh, moi, ça, m'a regardé ça. Mais, c'est des bagailles
quel que soit le monde, même si vous êtes d'accord avec, même si vous n'êtes pas d'accord avec, il frappe. Est-ce que c'est comme ça humain. Vous présenter comme justice? Ou bien ancien sénateur qui est actuellement en prison en Floride pour avoir comploté pour assassiner le président de la République dans son chambre? Voilà. Dans sa chambre. Mais ça, ce n'est pas de manière qui fait honneur avec nous. Donc, il y a toute une machine qui te met en place pour freiner la dynamique, ça, hein, qui permet que nous allons tomber dans la question direct que nous avons parlé là, la question pistache que nous avons parlé là, la question CIRH. Oui. Et encore plus. Et bon, bah, professeur, là, je dis là, qui est extrêmement important à travers un appel historique là. Comment comprendre, même comme ça, que la France force une pays pour que ça soit bien chita sous ça pour dire qu'on a l'argent qu'elle n'a pas doué, mais c'est même comme ça qui parle peut-être à l'origine des chutes au gouvernement, ok, avant 2004. Et on chute qu'a orchestré encore par des Haïtiens. On ne peut pas là c'est des élites. Nous, Haïtiens, nous. Et qui vous avez dit, c'est encore eux-mêmes qui ont dominé ça que nous avons. Bon, c'est vrai que en 2004, il y a un pilote dérive tout. Changer l'autre dérive. Alors, tout à l'heure. Les dérives sont partout. Docteur, de toutes côtés. Et l'Igon Bagay pour nous mettre l'accent sur lui. Ouais, jusqu'à présent, et bon, si je fais erreur, on a à corriger. Pourquoi j'aime gagner un gouvernement qui est plus progressiste par ce gouvernement du Massé estimé? Oui, clair, pas clair. Et puis, compétent. Justement, et puis, Dumas s'est estimé, rivé président, le Dumas s'est estimé, sur l'antédéum, cathédrale, c'est à coup de œufs pourris, bananes pourries, au recevoir. Oui. Et là, le fait dans le palais national, c'est à coup de catastrophe naturelle qui finit passer. C'est la fièvre, parce que, ils n'ont pas accueilli, monsieur. Non. Ok. Tu vas dire, oui. Et ils n'ont pas accueilli. Mais il s'est révélé par la suite. Le président le plus progressiste. Et qui utilise d'ailleurs. Comme bagaille, Dumas estime fait. C'est fait simple, ça. Ouais, là, il s'est arrivé. Président, lire les nègres qui sont ensemble avec lui, qui n'ont pas passé. Il a gagné les nègres qui étaient pensés que tu es président. C'était Demosthène Calixte. Lire les Demosthène Calixte, il est responsable du ministère des Affaires étrangères. Lire les Fiolet. Lire les Duvalier. Le Duvalier des ministres travail. Tout à fait. Lire les, on dit, monsieur, nous avons gagné un projet pour nous développer le pays. Viens jouer moi. C'est pour ça que et monsieur, là, c'est le tourisme. J'aime bien qu'on ait jusqu'à 1980. Justement, mais quand il est arrivé. Et Dumas s'est estimé non seulement les soldés, la dette de l'indépendance, quoi nous t'a payé que nous pas prêté à. Avec intérêt à quatre banques françaises. Monsieur Vin fêtait, a célébré, profitant de l'occasion pour célébrer les 200 ans de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Port-au-Prince était fondé en 1749. En 1949, la fêté les 200 ans. C'est un gars qui fête effectivement. Mais ça te baille en Haïti une visibilité. Le monde entier débarqué. Débarqué ici. Dominique Vini Vingade, qui ça nous fait pour y aller faire la caillou. Exposition universelle. Ok. Eh bien, sans vouloir lancer la pierre à nos amis, entre guillemets, c'est Yori qui finance pour le jeune Magloire. Pour renverser du Massé estimé. Parce que où du Massé estimé apprend, il y a l'élevé de votre pays. Parce que du Massé estimé a un projet pour chercher qu'on ait qui ressources minières que nous gagnons, qui ressources minéralières que nous gagnons, et comment développer l'agriculture. Exploiter pétrole là. Et non seulement, où est fleuve nous gagnons la Tibonite là, l'exploiter. C'est comment ça avec Pélie. Et la ville de Belle-Adère. La ville de Belle-Adère. Il dit que nous n'avons pas gagné voisins. Pour ne pas dire belle devant porte. Mais c'est une nouvelle. Ok. Chaque ville frontalière, et pas seulement ville frontalière, il t'a modélisé le pays. Bien sûr. On devait assez. Gardez Pont Jérémy. Gardez Pont Jérémy. Même, messieurs. Organisation pour le développement. Et le futur. Et le futur. Parce que nous, là, on n'a pas été dans le passé, là. D'accord. Non, justement. Écoutez bien. Il va être qui j'ai ou même, ou pas le prendre passer ça, ou pas le transformer en projet pour le passé. Non, parce que moi, je dis d'aller, excusez-moi, professeur. Ou on se dit, ouais, bah, il y a une photo. Moi, on reste. Puisque je suis en bicentenaire en 70. Moi, on reste. Et, ou qu'on ait un jeune monde qui l'autre jour, journaliste pareil, moi, n'a fait qu'aux ensemble, peut-être après toutes les émissions, ça,
Je dis, mais pas j'aime qu'on est non que pays a été gagné train. Et pour vous dire comme ça, c'est pas train canne seulement. Antoine Simon. Oui, et c'est pas train canne seulement. C'est train. Oui. Professeur sur Port-au-Prince, professeur va le faire cours Saint-Mac. Oui, absorti Port-au-Prince. Non, il est au cap. Mais pays a sorti plan. Non, mais nous qu'on a traversé Boclessine, bon côté Genti Posa, et on a eu les. C'est BIM. Et puis il me dit, mon Dieu, garde à terre. Et puis il y a des restes de Raytrien. Route Carrefour, il y a des gens qui sont en bas. Parce que souvent, un jeune sale, il n'y a pas de gens qui sont en bas. Il n'y a pas de pour te rentrer dehors. Oui. C'est un très capable de faire. Mais je comprends une nostalgie. Non, c'est pas une nostalgie. Non, la nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie. Je vais enseigner mon histoire dans le pays. Regardez, toute image où on dit jeune donc ou gain, son pays qui a demandé. Qui j'aime pour dans Biden, qui j'aime dans la République Dominicaine, à l'individu. Alors c'est ça me l'ai dit, parce que moi-même, je n'ai pas de nostalgie pour le passé. Ça me l'ai dit, Ok, monsieur Yves Swanbolt, ou même avec Associé dans la publicité, tout l'autre jeune garçon, jeune femme en particulier, nous négligeons femmes dans le pays à trois. Moi, je souhaitais que nous avons utilisé l'autre monde qui n'a pas dans la panel là, qui est capable de nous, qui peut grand passer nous. Comme des personnes ressources, parce que l'élection pas le fait là, jouer pour nous. Parce que le problème de son problème, monde, la meilleure constitution pour le faire dans le pays. Si pas un monde qui a une vision, non. Regardez, qui a un caractère capable de dire. Ok? Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai que l'Amérique veut pas le pays, c'est nous qui est capable de camper pour dire à la Boukele, à la et Paul Kagame, quand vous président Abinader qui a gouverné le pays. Quand vous avez qui gouverne Cuba, vous ne voulez pas vous sauver, vous mettez pensez que c'est communiste ou pas contre moi du tout, son équipe de droite. Cependant, les Castro prend pays, ils ont développé. Donc nous gagnons pour nous inciter des jeunes Cancou pour apprendre à comprendre que Florville Hippolyte, Antoine Simon et Antoine Simon, deux présidents sont parlé là, estimé ma gloire. Avec ma gloire. Et d'ailleurs, si lui déjoua, Négocaï. T'as gagné l'élection 56 là, je vous dis à nous qu'à parler l'autre parole parce que t'as une vision, même si tu vas aller te saisir, gagner l'élection. Alors, son façon qu'on dit, c'est menti, que tout ce qu'on là, c'est ça seulement pays à posséder. Non, c'est faux. Extraordinaire. Alors, regardez dans l'histoire, ma bonne référence, qu'on y a, c'est menti que l'Américain veut Guido, c'est menti que le Dominicain veut prendre pays. C'est nous-mêmes qui pas être passerelle pour jeunes d'un coup prendre contrôle pays. Donc, on a incité aujourd'hui à. Pour qu'on qui est souillé, avec même fougue que nous fait enquête ça, enquête ça, pour l'autre jeune, mettez ensemble avec au fond faisceau, affirmez nous, il n'y a pas de bon pouvoir. Prends pouvoir selon les règles de là, et puis campez quand vous parlez de Kagame, qu'on y a nous parlons de ton programme, sous 25 ans, nous parlons d'adopter ton programme de développement dans le pays, et puis des haïtiens prêts à exécuter le programme dans Wapoué.